Édith Piaf, chanteuse française. Quand il me prend dans ses bras, une chanson comme un parfum de revanche. Je vois la vie en rose. Une revanche sur cette vie qu'il l'a vue naître dans les bas-fonds de Paris. En 1954, c'est toute la France qui vibre avec elle, à l'unisson. Il est bien loin le temps où elle chantait dans la rue, elle a même l'élégance d'en rire. Dans la rue, je chantais quand je voulais, vous comprenez ? Oui, c'est ça, avec le soleil. Ouais. Avec le soleil et puis les agents. Et puis alors, je choisissais mes rues, vous comprenez ? Il y avait des rues qui ne me plaisaient pas, par exemple. Je ne chantais pas dedans. Ah bon ? C'est nous les mômes de la cloche. La rue, elle y donne de la voix dès qu'elle a 12 ans. Elle y accompagne son père contorsionniste, Louis, on disait le père Gassion. La mère, elle, l'a abandonnée depuis longtemps. Oui, Édith Gassion, c'est une môme de la cloche de la misère. Mal soignée, mal aimée. À 20 ans, un certain Louis Leplay la sort de la rue, en fait une artiste de cabaret, et lui donne un petit nom. Il dit, tu chantes comme un moineau, et tu es une petite môme. L'idéal serait qu'on t'appelle la môme moineau, mais sachant que la môme moineau existait déjà, que c'était une milliardaire. Et il lui dit, bah tiens, par ricochet ou dérision, on va t'appeler la môme Piaf. Mais voilà, la chance, ça ne dure pas. Louis Leplay a été assassiné. Les bandits l'ont tué d'un coup de revolver après avoir... On dit que les bandits sont des acolytes de la môme. La police lui demande des comptes. On m'a questionné, il fallait bien que je dise avec qui j'étais. Si je n'avais rien dit, on aurait eu l'air de dire que je protégeais quelqu'un. Je n'ai plus d'amis, je n'ai plus personne maintenant. Mais elle rebondit grâce à un nouvel impresario. La chance revient avec Mon Légionnaire. Et les succès s'enchaînent. Piaf devient une légende. New York 1947. Première tournée américaine, Piaf chante l'amour en anglais. Piaf trouve l'amour, le grand, avec Marcel Cerdan, le roi de la boxe. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Cette passion-là lui inspire le plus bel hymne à l'amour. Mais le drame n'est jamais bien loin. En 1949, Cerdan meurt dans un accident d'avion. Je m'en fous du monde entier. Qu'est-ce que vous avez attendu de l'amour, Édith Piaf ? Mais ce qu'il m'a donné. C'est-à-dire ? Le merveilleux, le triste, le tragique, l'extraordinaire. Des déceptions aussi. Je n'ai jamais été déçue. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Son manège à elle, c'est l'amour à l'infini, l'amour qui naît ou bien qui s'éteint. Quand tu me tiens. Il y eut des acteurs, Yves Montand, Félix Martin, des moins connus, un certain Monsieur Jacques Pils, ou des chanteurs comme Moustaki. Elle chante pour eux. Ou grâce à eux. Il fallait qu'elle ait un amour dans sa vie. Quand elle quittait un homme, il lui en fallait tout de suite un autre, parce qu'elle ne vivait que pour ça. Et elle ne chantait que quand elle était malheureuse ou quand elle était heureuse en amour, elle chantait d'une façon extraordinaire. Emportée par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte. Édith Piaf chante comme on tient un pari avec Dieu, comme on joue à la roulette russe. Elle est malade en 1958, mais elle chante jusqu'à l'épuisement. Si vous étiez obligé d'arrêter de chanter, qu'est-ce qui se passerait ? Oh, je vais dire un mot très horrible, mais je crois que je me suiciderais. Mon
Dieu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un dernier amour l'a fait renaître. Théo Sarapo a 27 ans, elle en a 47, peu importe. Elle l'aime, elle le fait chanter. Moi j'ai entendu dire que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer. À quoi ça sert d'aimer ? Cette femme l'adorait et elle le laissait être lui-même. Elle l'apprenait à être lui-même. 1963, Edith s'éteint. Non sans avoir chanté auparavant. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Sa chanson préférée. Il est bien, comme une profession de foi. Pour ma paix, ni le mal, tout ça m'est bien.